Amis internautes de Royal TV Bénin, salut à vous et bienvenue sur cette émission. Une fois encore, nous remercions tous ceux qui utilisent leur forfait, leur mot pour suivre cette émission sportive. Elle prend son envol, l'émission La Tribune des Jeunes sur votre chaîne Royal TV Bénin. Mesdames et messieurs, amis internautes, mythe toujours, hein, ça continue autour de cette date historique pour les écureuils. Vont-ils enchaîner après cette brillante participation en Égypte 2019? Les écureuils ne sont pas encore qualifiés, en tout cas sur papier, pour la Coupe d'Afrique Cameroun 2022. Qui pour remplacer le Bénin? Ou bien la Sierra Leone va-t-elle prendre la place des écureuils? La CAF a le dernier mot. Nous ne connaissons pas encore la date. Nous ne connaissons pas encore là où ce match sera joué. Où et quand? C'est bien autour de cette thématique que nous allons débattre l'émission de ce jour. Hospice Omiyale est bien installé de l'autre côté. Salut à vous, mon cher. Salut, Gabin, et bonjour. Comment allez-vous? La pleine forme. Il y a belle lurette, hein? Eh ben oui, oui. Wilfried Nounagno, il est désormais un habitué de cette émission. Il est encore là. Salut à vous, mon promoteur. Oui, bonjour, Gabin, et bonjour, chers internautes. Et ravi de participer une fois encore à cette émission. Voilà, le débat, le décor est planté. Hospice Omiyale, où et quand se jouera ce match des écureuils? Nous ne savons pas. Le Bénin jouera contre la Sierra Leone, certainement sur un terrain neutre. Nous ne le savons pas encore. Quand est-ce que ce match sera joué? Personne ne peut le dire. Seule la CAF a le dernier mot. À quel jeu joue vraiment la CAF avec le Bénin? Gabin, là, je crois que c'est la crédibilité de la CAN et de la CAF, pardon, qui est en jeu. C'est la crédibilité de l'organisation fêtière du football africain qui est en jeu, sa réputation et autres. Et Patrice Motsepe, je crois que il est, je ne dirais pas qu'il est venu de mauvais pieds, mais il est venu avec un gros problème. À sa tête depuis sa nomination. Son élection, puisque monsieur n'avait pas de challenger. Ensuite, il s'est mis à aller, sa nomination. Son élection. Bon, voilà. Je me le permets de le dire, même si c'est entre griffes. Je crois que Patrice Motsepe et tout son bureau doivent prendre le taureau par les cornes et afin de faire rayonner le football africain. Puis cela, il ne s'agit pas seulement du Bénin. Il s'agit du football africain par rapport aux autres organisations. Vous savez, c'est la crédibilité de l'instance fêtière de football africain qui est quand même en jeu. Si c'était en Europe, est-ce que la date ne serait déjà pas encore connue? Non, moi je pense que si c'est en Europe, ce serait déjà connu et ce ne serait pas long comme on est en train de le constater puisque on doit pouvoir donner une liste pour savoir que voilà les équipes qui sont qualifiées pour la CAN et chacun va commencer à se préparer pour la CAN. Donc si c'était à l'Hexagone, ce serait déjà fait et très tôt même. Mais chez nous, vous savez qu'on a toujours du retard à prendre les choses, à faire les choses. Donc je pense que c'est ça qui fait que je suis là. On est en train de traîner. Un mois déjà passé et nous sommes dans le deuxième mois. Et jusque-là, on ne connaît pas la date du match et tout le monde est en train de cafouiller. C'est pas du tout bien pour le football africain. Le périple, hein, ça a quand même été, tout était clair dans cette affaire. On dit que les joueurs ont été testés positifs et puis certains de ces joueurs sont allés encore jouer quelques jours seulement après le test, hein, supposé covidé de ces écureuils. Ils ont décidé de porter plainte et en griffe, c'est peut-être le président de la Fédération Béninoise de football qui serait en train de négocier avec ces joueurs de ramener la balle à terre. La présidente de la CAF dans la foulée a annoncé des trucs. On dit que le stade de la Sierra Leone n'est pas aux normes pour accueillir un match international. Rapidement, la CAF envoie encore des émissaires pour... C'est quoi tout cet imbroglio? On ne comprend pas ce qui se passe réellement. Hospice. On ne comprend pas et ce n'est pas aujourd'hui que nous allons comprendre le football africain et ses dirigeants. On a vu par le passé avec
Issa Hayatou, on a vu avec Amat, et aujourd'hui c'est Patrice Nozebe. Je crois que c'est un virus. Et chaque fois que, même si vous avez l'air d'être quelqu'un de crédible, lorsque vous vous installez sur le trône du football africain, et je crois que vous êtes rapidement contaminé. Je crois que c'est un virus qui est plus, même, qui est très, même, plus fort que la COVID-19. Donc je crois que cela ne nous honore pas, Gabin. Cela ne nous honore pas. Il faudrait qu'on change de mentalité. Il faudrait que nous changions afin de faire rayonner le football africain. Je l'ai toujours dit et sanctionné. Nous n'avons pas la Sierra Leone. Elle n'est pas capable. Elle n'a pas les moyens d'accueillir ce match. Elle n'est pas. D'abord, il y a déjà la tension, les joueurs, voilà, sont déjà sur des pieds de guerre, avec tout ce qu'on a dit. Je crois que loin d'être, nous, le Béninois est pacifique, mais je crois que cette rencontre, elle avait la possibilité à elle seule de déclarer ou d'enclencher une guerre diplomatique entre le Bénin et la Sierra Leone. Je crois que la CAF ne mesure pas l'importance ou le danger qu'elle est en train de faire et de créer pour le football africain. William Manounayon, est-ce que c'est possible que le match soit joué à Freetown? Non, il semble le terrain de Freetown doit être parmi les terrains qui sont suspendus. Écoutez, la CAF a encore envoyé une commission d'inspection pour vérifier. Et quand on sait que cette commission d'émissaire est composée essentiellement de Sierra Leone, voilà, pour vérifier l'éligibilité du terrain. C'est vraiment sérieux cette affaire-là, parce que le jour où on devrait faire le match, on a vu l'état du terrain. C'est pas un terrain qui est du tout praticable. C'est un terrain non praticable. Il n'y a pas du tout la pelouse. Donc, je pense que les autorités de la CAF doivent savoir. On dirait que le stade municipal d'Akromi-Sirité est mieux que ce terrain-là. Puisque si vous voyez la pelouse, c'est pas du tout. C'est du sable au moins, quand même. Sur laquelle on peut faire un match. Même nos champs de patates sont beaucoup plus praticables pour accueillir un match de football contre. Voilà, de cette trempe. Donc, c'est pour dire qu'il y a un flou qui est autour de cette affaire-là. Qu'est-ce qu'ils sont en train de manigancer? Est-ce qu'ils sont en train de vouloir tout faire pour faire partie du Bénin de la CAN prochaine? Bon, je ne sais pas. Mais je pense que les dieux de nos ancêtres resteront avec nous. Et pour l'expédition, en tout cas, pour le match, on fera sensation. Comme on l'a toujours fait, les Béninois sortiront la tête haute et puis on sera. Pour le moment, personne ne peut dire ni l'heure ni le jour. Seulement que nous sommes en juin, on dirait que c'est Dieu. On est en train d'attendre l'arrivée, tout comme si c'est l'arrivée de Dieu, comme on le dit dans la Bible. Voilà, nous devons attendre beaucoup plus longtemps. Puis on attend l'arrivée de Jésus depuis plus de 2000 années. Donc je crois que ce n'est pas pour aujourd'hui que Dieu va venir. Donc si c'est que nous attendons quelqu'un, c'est qu'il faudrait carrément faire jouer la CAN sans le Bénin ou sans la Sierra Leone. Ça ne sera pas bonne affaire. On se met à aller. Et le Bénin, soyons sincères, est-ce que le Bénin a désormais les armes pour battre la Sierra Leone si le match arrivait à se jouer sur une pelouse ou bien une pelouse neutre? Je crois qu'on a toujours, notre carte à jouer. On a toujours notre carte à jouer, on a toujours notre destin en main. Donc c'est le football, le ballon il est rond pour tout le monde. Mais nous sommes largement favoris, nous sommes favoris. Et les Sierra Leonais ou Sierra Leonaises entre griffes le savent. Ce n'est pas la présidente de la Fédération Sierra Leonaise de football qui dira le contraire justement. Et pour mieux préparer cette rencontre contre la Sierra Leone, dont nous ne connaissons pas encore l'heure, dont nous ne connaissons pas encore le jour, ni le lieu, les écureuils seront en amicale le mardi prochain, le 8 juin 2021, au stade général Mathieu Kérékou pour jouer la Chipolo Polo de la Zambie. Hospice au Miale. Je crois que Michel Dussuyer est conscient de ce qu'il fait et c'est l'importance de cette rencontre. Puisque la Zambie, qu'on le veuille ou non, c'est une zone anglophone. Et elle joue pratiquement le même jeu, dans le même registre que les Sierra Leonais. Donc je crois que c'est la meilleure équipe pour préparer la rencontre face
et à la Sierra Leone. Est-ce que Michel Dissué a bien vu de prendre les Chipolo Polo pour jouer contre, pour préparer le match contre la Sierra Leone? Je pense qu'il a bien vu parce que un match de préparation de ce ne s'annonce pas au hasard. C'est que on a bien étudié et on sait que les Sierra Leone sont dans le même registre que les Zambiens. C'est pourquoi on a convoqué les Zambiens pour pouvoir préparer ce match-là. Et je pense que ça va donner de la joie et à nous supporters de voir encore une fois notre équipe nationale jouer. Et ça va également permettre à l'entraîneur d'Issué de savoir faire les derniers réglages avant le match fatidique contre la Sierra Leone. Contre la Sierra Leone, le Bénin ne sont pas encore là, mais contre la Zambie, Hospice Omiyale, à quoi peut-on s'entendre? On va toujours garer le bus comme d'habitude. On va toujours garer le bus devant les buts. On ne va pas encaisser. Et là, si on trouve des occasions, c'est que nos attaquants vont les mettre. Donc, c'est toujours c'est le système de jeu. Même si aujourd'hui, il n'y a pas un Cédric Routonji blessé et un Cécile d'Almeida en milieu défensif ou offensif, je crois que... Défensif? En milieu défensif, oui. Donc, je crois que nous allons toujours jouer dans le même registre. Nous n'avons pas Cédric, mais nous avons Olivier Verdon. Et qui est de retour, c'est aussi l'autre bonne nouvelle. C'est la note de satisfaction donc, de l'autre oui, côté. Oui, oui, donc je crois que nous allons faire avec. Et Michel Dussieux va toujours jouer dans le même registre. Je ne le vois pas jouer, changer de registre. Bon, William, nous n'ayons contre la Zambie. Est-ce que le Bénin pourrait faire l'affaire? Oui, je pense que... C'est un match amical et quand je vois les joueurs qui sont convoqués, surtout la confiance accordée aux nationaux, ceux qui animent le championnat national. Il y a actuellement deux, il y a Djalilou Worou qui remplace probablement David Tiki qui est suspendu pour cumul de carton jaune. Et de l'autre côté, nous avons Junior Itchola Olaïtan. Voilà. Un bon meneur. Voilà, un bon meneur. Je pense qu'il doit être de Ayema. C'est un joueur d'Ayema. C'est le feu follet du milieu de terrain. L'international béninois junior. De Ayema. Je pense qu'avec ces nouveaux, le sélectionneur national va essayer de mettre les petits plats dans les grands et contenir les vérités offensives de la Zambie, sachant que la Zambie n'est pas une petite nation de football. Ça, c'est clair. Voilà, c'est pas donc, pour rien, on est champion d'Afrique. Hein. Donc, je pense que Tissi a mesuré la portée de ce match-là et puis il sait comment s'y prendre pour parvenir. Mieux, ce match se jouera au stade général Mathieu Kérékou. C'est un match, je dirais, d'envergure inaugurale hein, pour ce stade qui est flamand neuf désormais, Hospice Omiyale. Ça vous donne l'envie d'aller au stade? Oui. Naturellement, je crois que c'est une bonne nouvelle pour le peuple béninois et c'est l'heure de remercier le gouvernement de son Excellence Monsieur Patrice Talon pour tout ce qu'il fait pour le football béninois et ceci à travers son ministre des Sports, le jeune ministre Oswald Omeki. Je crois que c'est une très bonne nouvelle et aujourd'hui, par le passé, on a toujours eu des problèmes de pelouse au Bénin, que ça soit et cela a tellement ralenti nos jeux. On n'a pas vu de beaux jeux de la part de nos écureuils et je crois que certains même se plaignent de ça. Ça, ce ne sont pas des pelouses. On parle de la Sierra Leone aujourd'hui, mais par le passé, nous aussi, on a eu à faire face à ces genres de problèmes de pelouse. Aujourd'hui, je crois que c'est conjugué au passé. C'est une meilleure manière de rénover d'inaugurer le stade à nouveau et si une victoire aussi serait la bienvenue. On sait que c'est l'antichambre des écureuils, hein? C'est ce stade mythique des écureuils, le stade général Mathieu Kérékou. Le stade général Mathieu Kérékou qui est complètement rénové, je pense que moi, c'est pas l'Algérie qui dira le contraire. J'attends le jour là pour aller faire l'expérience, pour aller assister à ce match-là sur cette nouvelle pelouse. Qui est vraiment sauf que vous autres, ce qui fera mal, depuis les gradins que vous allez suivre les rencontres sur la pelouse. ce qui fera mal, c'est que nous qui sommes à Porto-Novo, on a pris l'habitude d'aller désormais au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo pour suivre les matchs des écureuils. Désormais, il faudra faire comme ceux qui venaient de Cotonou pour aller. Gabin, je crois que les Porto-Noviens ne seront pas d'accord avec moi, mais les Porto-Noviens n'ont pas l'habitude d'aller au stade.
Écoutez, cette histoire est venue à un moment, où on parle de Covid-19. Non, même l'accès est souvent restreint. Les Porte-Novien n'ont pas l'habitude d'aller au stade. Même sans l'affaire Covid, même sans le virus Covid, le Porte-Novien n'aimait pas. Un dimanche, vous jouez un dimanche et puis vous demandez au Porte-Novien de laisser cette cérémonie et d'aller jouer. Hospice, je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, je suis content, je suis tellement content que le stade Général Mathieu Kérékou sera de nouveau en activité et puisque on a fait l'expérience, le match au Bénin. Bénin Algérie, le match Bénin-Togo et autres, on a vu comment le stade était archi comble. Que ça soit à l'intérieur comme sur l'esplanade du stade. Donc je crois que c'est une bonne nouvelle. Alors l'autre nouvelle, c'est bien entendu le retrait, c'est l'adieu que fait ce joueur international, désormais est joueur international béninois. Lui c'est Emmanuel Imoru, il range ses crampons et désormais il sera face au micro. Ensuite, il est désormais consultant Beansport, on suit Emmanuel Imoru. Il ne sera plus sur le terrain, mais il sera désormais dans les cabines. Je crois que c'est... Il a tout donné. Il a tout donné pour 13 notre... ans. Il a tout donné pour notre nation. Ils ont connu les bons et les mauvais moments du football. Ah oui? Les bons et les mauvais moments du football. Ancien joueur de Braga, ancien joueur de Caen. Aujourd'hui, il vient de Rongaya. N'était les blessures. Je crois qu'Emmanuel Moreau aurait une carrière de grande envergure. Franchement, j'ai pas les mots pour décrire le monsieur. Puisque il a trop donné. On pourra dire merci à ce grand international, l'homme au crâne rasé souvent, Emmanuel Imoru. Il dit adieu et il ne sera plus avec les écureuils. Bon, Emmanuel Imoru dit adieu, il ne sera plus avec les écureuils, c'est vrai, mais il sera toujours là. Oui, il sera de cœur avec l'équipe nationale. C'est... Pas sur le terrain en train de jouer avec ça, eux, c'est mais clair. Il sera là pour les soutenir. Je pense que ce serait une très bonne chose. Le football, c'est toujours comme ça, hein, blessure sur blessure. Et quand l'âge aussi avance, on finit par raccrocher les crampons pour pouvoir se consacrer à autre chose. Et je pense que c'est le moment pour lui de commencer à se préparer activement pour, en tout cas, couvrir, en tout cas, réussir de là où il est en train d'aller. Je crois qu'il son nouveau projet. Oui, je crois qu'il s'est vite reconverti. La reconversion a été très rapide. Il va se donner à fond et puis ce sera du bien pour lui et pour son avenir également. Lui, il a déjà rangé les crampons. Ben, Stéphane Sessegnon n'a pas encore rangé les crampons. Il espère encore participer à cette dernière Coupe d'Afrique. Puis, qui le sait, le Capi National l'a fêté dans la foulée. C'est 37 ans. C'est 37 bougies pour Stéphane Sessegnon la semaine écoulée. Stéphane Sessegnon n'a pas toujours envie de laisser. Je dirais c'est un homme moral très très haut. Est-ce qu'on ne va pas souhaiter bon anniversaire à ces Français et espérer quand même qu'ils reviennent avec la sélection nationale suisse au Miali? Vous le voyez toujours au milieu du 11 national? Oui, je le vois toujours et je crois que pour le Béninois lambda, on aura du mal à se séparer de Sessegnon. On ne veut pas croire que Sessegnon a 37 ans, on ne va pas croire que dans un an, quand il aura 38 ans, on ne veut pas le perdre. Le monsieur, on dirait que l'équipe nationale béninoise tourne autour du capitaine Stéphane Sessegnon, qu'on le veuille ou non, qu'on soit son fan, qu'on l'admire ou non. Le monsieur, c'est un big boss et en sélection, c'est un patron, et que vous prenez même ces jeunes joueurs qui sont aujourd'hui dans l'équipe nationale, qu'ils soient gardiens de but, qu'ils soient tout là, si vous leur demandez leur idole en équipe nationale, ils vous diront tout simplement que c'est Stéphane Sessegnon. Ces jeunes joueurs sont toujours en activité et ils ont eu diverses fortunes pour la fin de cette saison, commençant bien sûr par Saturnin Alagbé. Saturnin Alagbé n'a pas connu, je dirais ça, une bonne saison avec Dijon. Il a quitté dans la foulée Niort pour rejoindre Dijon et là, ça a mal tourné. Il retrouve encore là où il a quitté, c'est le retour à la case de départ pour Satou National.
Je crois que Sartunin à l'Agbé. Était-il un bon ou mauvais choix? C'est un bon choix, c'est un bon choix. Moi, je ne vais pas critiquer, je ne vais pas condamner son choix, c'est un bon choix. Au moins, sur son CV, on dira qu'il a participé, qu'il a eu à jouer. Il a eu 6 matchs. La Ligue 1, il a eu à empêcher les Neymar et les Mbappé de lui mettre assez de buts. Il en a récolté un. Hein? Bon, bah oui, mais je crois qu'il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Et Sartunin. Même à Niort, on a vu comment Niort a été obligé de jouer les playoffs, voilà. Avec Villefranche, voilà. De Moïse Adil et de Désiré Azankpo. Ils ont été battus 3-1 finalement, c'est Niort qui sera en deuxième division. Donc je crois que c'est une belle expérience pour Sartunin à l'Agbé, vu le parcours de l'homme. C'est une très belle expérience et je crois que Dijon en Ligue 2 pourra faire bon figure et se relancer. Nous sommes toujours en France. Hein. Là, on va parler de ce qui a bien marché. On parlera de Jodel Dosso de Cédric Houtondi. 38 matchs dans les jambes. C'est pas facile, hein, surtout en deuxième division française. Et avec la montée qui sera à la clé. Exactement. Jodel Dosso, tel que moi je le connais, ce jeune-là. 12 buts. Voilà, c'est un attaquant. En tout cas, pour l'instant, je ne dirais pas plein, mais un attaquant qui a de l'avenir, qui est en train de monter. Jodel a su faire manager, il a quitté FC Vaduz, il a joué les play-offs hein, de la Ligue Europa. Il a dit qu'il revient en deuxième division, il a joué Ligue 2 BKT, désormais il va évoluer en première division. Je crois que la satisfaction, là, c'est Jodel Dosso. On me dira, c'est dire Houtondi, mais c'est dire Houtondi a eu à connaître déjà ce championnat, connaît déjà la Ah oui, entre temps il a fait la MLS, voilà, il a joué de l'autre côté et puis il est revenu se relancer. Donc je crois que c'est Jordan Dosso qui n'a pas eu à prendre assez de temps pour s'adapter à ce championnat et on l'a rapidement vu. Il n'avait pas au début, il n'était pas titulaire. Les quelques minutes de jeu auxquelles il a eu droit, je crois qu'il les mettait à ses profits et ça a donné et il a été décisif, même s'il est à ses côtés un certain le Guinéen Bayo qui a fait mouche. Je crois que c'est une bonne nouvelle pour nous et les Sierra Leonais sont avertis. D'ailleurs, je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles il a été testé positif. Ouais, voilà, toujours en France, hein, rapidement, nous allons parler de Matteo Arlenvi, ce jeune qui a joué. C'est vrai que son club est relégué, Nîmes Olympique est relégué en deuxième division. Est-ce que Matteo, on l'attendait déjà à cette étape, c'est un jeune joueur, on ne l'attendait pas trop, Suisse Miele. Oui, Matteo Arlenvi qui n'a pas eu assez de temps de jeu. Il n'a pas eu assez de temps de jeu, si on le à Nîmes Olympique. Je crois que peut-être en D2, en Ligue 2, il pourra s'imposer. Voilà. Vous connaissez Steve Mounier certainement. Steve Mounier, lui, c'est l'attaquant de Brest. Il a planté 11 buts en Ligue 1. C'est pas facile. C'est pas facile, mais il est dans l'équipe et il s'affiche très bien. Il participe au jeu normalement. Il participe à la victoire de son club et je pense que c'est bien pour notre équipe nationale. Si on sait qu'on a des attaquants qui s'affichent très bien de l'autre côté, je pense qu'on peut les utiliser sans trop réfléchir. On va les utiliser sans trop réfléchir. Là où il ne faut pas aussi trop réfléchir, c'est grâce à ce buteur, je dirais, ce défenseur béninois, lui, il a l'amour de ce pays, c'est Olivier Verdon. Même s'il est maternellement du Bénin, il s'est affiché avec le drapeau béninois sur les épaules après son sacre avec son club Ludogorets. Ludogorets, le club bulgare est champion. Olivier Verdon a quitté et Deportivo à la veste, quand en prêt, il est revenu à Ludogorets en roi. Auspice. Je crois que Ludogorets a déjà. On sait déjà que c'est l'équipe phare de la Bulgarie. De la Bulgarie. Et Olivier Verdon y est allé et il s'est imposé. Il a eu à jouer d'énormes rencontres. Et on l'a vu combien de fois il est devenu un pignon essentiel dans le système de jeu de Ludogorets, au point où le club l'empêche d'effectuer le déplacement sur Cotonou. Pour jouer le match contre la Zambie et le Nigeria. Contre le Nigeria et être présent
pour la confrontation qui devrait avoir lieu normalement contre la Sierra Leone, c'est parce que le garçon est important. Et ce n'est pas parce qu'on ne savait pas que Ludogorets serait champion, puisque le titre était déjà joué, je crois, hein, depuis. Maintenant, ils avaient besoin de M. Verdon. Et je crois que c'est félicitations à ce joueur. Félicitations à ce joueur. Je dirais plutôt félicitations à Auspice Semi Allé et William. Nous avons participé à cette émission sportive sur votre chaîne Royal TV Bénin. William, nous avons votre mot de fin. Non, je remercie tous les internautes pour l'attention particulière qu'ils accordent à Royal TV. Je remercie le président de Royal TV. C'est le PDG. Le PDG, voilà. Chira Cotéon. Gabin, toi aussi, je te remercie. Merci beaucoup. De nous avoir invité. Je remercie mon collègue Auspice Semi Allé. Et je souhaite bon vent à Royal TV. Je vous remercie. Auspice Semi Allé, bon vent à Royal TV. Vous allez dire. Je crois que je dirais encore la même chose. Et puis la répétition, elle est pédagogique. Bon vent à Royal TV, bon vent à ses internautes, bon vent à ces personnes là qui font rayonner Royal TV royalement. Et je crois que je leur souhaite que de bonnes choses, que de meilleures choses dans la vie, et que Royal, que bientôt nous retrouvons Royal, pourquoi pas sur les bouquets Canal Plus. Bientôt Royal sur les bouquets Canal Plus, ce sera pas sans le rédacteur en chef de cette chaîne. Je parle bien entendu de Eric Roussino. Merci à vous, Reda. Rédacteur en chef, le Reda Eric Koutiko, mon directeur modeste. D'abord, je salue tous les internautes qui utilisent des mots, des connexions pour nous suivre. À toutes et à tous, au revoir et bye bye.